balandi ya Congo Uni télévision to pesi bino mbote na bisika nyonso tout vos amis bino baye bizali kolanda biso na banda ya mboka ba ndi ko bazali na kati ya province en tout cas merci mingi et puis on te souhaite bino mokolo mwalelo ezali mercredi hein et là mon ami nyonso tout vos yeux surtout le bakou ya kolanda ezali chaîne ya bino Congo Uni télévision tande boye bi situation ya est ezali ko préoccupé na nyonso tout. Tout le monde est préoccupé par cette situation-là. Et il y a tellement des actions menées par deux jeunes. On en a vu, en tout cas, dans les différents médias, dans les bisous, les jeunes qui ont côté les mains. La patrie ou la mort. En tout cas, c'est vraiment la phrase phare. Et c'est bien la bisous, surtout, c'est posé, c'est bien qu'on m'aime, pour porter un mot, la mettre dans la bisous. Alors, M. Étienne Kabila est aujourd'hui avec nous, c'est mon invité, et avec qui nous allons essayer de parler de cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Et sur toute chose étonnante, tout le monde a qui est mon cousin qui n'a Est et Puna en tenue militaire, tenue militaire. Il va nous répondre par rapport à toutes ces questions-là, à quel est le salanime. Hein? Mission à Ezala Kinini Puna. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour soutenir le Konabiso Bazaï na Est et Ambo Konabiso? Il va répondre. Bonne ma soeur. Oui. Très bien. La dernière fois, on a une émission, on a mis sur pour ça là-bas. Ok, tu as évité. Est-ce que ça va maintenant, tu as un problème, mon corps pour tous les autres, qui va empoisonner la vie? Ok, merci pour la question. Bon, on a quand même essayé de répondre à la question pour aller dans la tenue. Oh, on a quand même essayé de parce que va te faire. Ok, Pézaki, moi, pour passer, va te faire un peu de temps. Ok, Balobi, au salaire qui est tellement ok, mini, tu évites ce qu'elle sentait, ça va. Va te faire un peu de temps, Balobi. Pour la nuit, on va te faire Kaki. Kaki, ils allaient tenir la révolution. Ils allaient tenir la révolution. Et puis, T-shirt, il y a président Fatih, je sais pas, marquer présent, pour marquer seulement. Mon soutien tout azimut au président de la République. Mais le rôle de tout le monde est de répondre à la question. Il est écrit dans le livre de Marc, hein? Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de différentes langues. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est la troisième, quatrième phrase. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point aucun mal. Comprends? Cela veut dire que même s'ils ont la poison, ils ont la poison T, et que ça l'enlève de côté. Vous comprenez? Ils ont bagué ça quand même. Et ça, les lots votés parce que, et qu'on stoppe pas la lutte dans Gaïté. J'ai fait la prison pour Namboka. Nabunda trop pour Namboka. Attaba, tu es poison, attaba, ça y est, Nabanga. Mon combat doit toujours continuer. Mais. Vous avez un autre lot, vous avez prêt pour Namboka. Vous avez un autre protégé. Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Tu as perdu beaucoup du poids, et poison, et la poison, ma lutte continue. Vous savez, quand j'ai rencontré les vieux, Étienne Tshisekedi, en Afrique du Sassan, il dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, fils, tiens bon, la lutte est longue. Vous comprenez? Donc, ok, ça c'est une maladie. Ça peut arriver, bon. Ils ont la poison, ils ont la nid, mais je suis là. Mais moi, c'est là qu'on a quand même un bon bout de temps, il y a émission, alors ça a inquiété tout le monde. Alors, d'entrer tout côté directement, on a Ozali, Mambo Italie, Est et Mboka, la Bissot, Ozali, pour préoccuper Ozali, digne fils et fille, Mboka, Ono. Parce que cette situation-là, Ozali, pour toucher Bissot tellement, la mité, Matomoni, les jeunes, ben, à côté, les babas manifestés, ben, qu'est-ce que l'ambassade, pour n'avoir pas pour fans, pour essayer de faire, parce que, en mettant la bango, silence, la bango, ça dérange même les Congolais. Mais tout le monde n'a pas de questions, on a dit que tout le régie, une de vos ça m'a vraiment pour balancer. C'est quand même une photo, là où tout le monde nous a dit en tenue militaire et puis aussi des armes. Est-ce que vous avez qui soldat avant? Oui, bien, ma campagne est Estéwana, ils ont ma campagne. Moi, j'ai beaucoup parlé de ça. Naloba, 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 cessons d'appeler les maïmaï des forces négatives. Les lois, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu L'Oise-Lande, ce sont les abana, oyo, qui sont tous les abana en esprit. Comment défendre l'intégrité territoriale? Oh, vous dites à l'Obaka que vous devez vous prendre en charge. Ils savaient déjà à l'Obaka que la guerre sera longue et populaire. Comme vous n'avez pas de force militaire, non.
Thomas Sankara l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Fin de citation. Cela veut dire vous comprenez? J'ai vu les autorités politico-militaires. N'explique pas le camba est na lobby hein. Ce que vous ba mai mai wana. Ba recycler bango. Rwanda ko na bise susté. Imagine toi ba tu ba bunda ka sambongo. Ba pesa bango mbongo te. Moi, je défends ma belle là-bas. Ils sont très motivés pour les capables de voir militaire. Il y a FARDC. Vous comprenez? Je explique à eux, regardez les maïmaï. N'attends pas à comment là-bas. So, je les connais tous par leur nom. Vous comprenez? Oui, mais vous parlez en par leur nom. J'étais avec eux, Naïs, c'était très bien. Et j'avais apporté même des pistes de solutions. Tout ça là. Sans expliquer mon conseil, même général. Comment on va pister la solution à l'époque de Joseph Kabila? Non, maintenant, là où tu as fait le sujet, j'ai raconté des autorités politico-militaires. Moi, je suis sûr que c'est ça. Avant même, M23 ont gagné. Voilà, ça, tout ça, regardez, tout financer le mouvement. Rébellion, il y a M23, il y a agression M23. Il fallait abandonner la sélective. Nous étions résistants à Maï Maï, Baringa Bandana Sikiki. Va changer, va kena. Batouazo Monaka Mwanga Chutu. Non, nous savons même pas les noms. Il y a Batouba Finance à Gabilo Kwana. Batoumso Zaza derrière, les Maïazo corrompre Bango. Bako utiliser Bango plus tard. Soto Tiki, au moins les Rosan Sikiki, soto Bundi Teokusto, comme Penana Nakatanga. Vous comprenez? J'ai écrit ça au chef de l'État. Tout est non, mon mali. Vous comprenez? De Balinga Bandana pour attaquer d'après Maï Maï Sikiki. Voilà. Ce qui est à qui Bangote. Ni t'étais résistance à Maï Maï. Est-ce que situation problème pour tout le bayou y est situation où les alcooliques ont vraiment la situation? Non, situation, ils ont un intérêt. C'est un intérêt économique. Vous comprenez? Ils ont un minerai à Congo, ils ont Rwanda, il faut avoir minerai, Rwanda, Burundi, Ouganda, Bangonyonso. Il faut avoir. Même la Tanzanie. Bangonyonso, même l'Ouganda. L'Ouganda a bien la biseau, t'es basé en débat. Et président Ouganda, il y a. Président Ouganda, il y a Zala Awate. Il faut tout sécuriser les frontières. Pour sécuriser ça, il n'y a que les Wazalendo. Quand on parle de Wazalendo, cela veut dire quoi? Muzalendo, c'est en Swahili. Ça veut dire les natifs. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de défendre ma belle Nabango. Il n'y a pas besoin de défendre l'intégrité territoriale. Exactement que Rwanda, vous voulez dire, soldats rwandais, va côté le territoire, na Congo, tout va qui c'est une sécurité, les sous, na pays Nabiso. Oh Monisco, EAC, bah comment on peut na peut na bisoter parce que bah intérêt il y a Amérique ils en acquittent, bah intérêt il y a France ils en acquittent. Bisoter moi qu'il faut défendre l'intégrité territoriale. Mais d'ici mi a yé a wanazo comprendre. Donc tout ça d'ici mi attendre bisoter ma beaucoup ton dimanche. Et la solution que vous avez, solution mon côté bah pays frontière bah vous avez cette solution. Mais il y a quand même frontière na Rwanda na yé bah mon alaté. Voilà, même si vous avez un problème na Rwanda, Italie bah ngoka, mais ils font aussi semblant d'être en guerre. Mais le problème de la Bissau, c'est nous, les Congolais. Vous comprenez? Nous devons défendre l'intégrité territoriale. Vous comprenez? C'est ça. Vous avez vu combien de millions de côtes dans le Rwanda dans le temps où il y a plus d'une année ou M23 à du territoire? Des millions, tous les jours. C'est comme ça. Donc, pour tout se faire respecter, Bissau, il faut tout armer la Bissau. Vous comprenez? Parce que pour l'instant, pour tout se faire respecter, il faut quoi? Mais il faut faire la guerre. C'est tout, il faut défendre l'intégrité territoriale. Mais est-ce que tu as vraiment prêt? C'est ce que je vous ai dit, que Nakolo Makamonyo se touté dans les médias. Nakolo Makamonyo se touté sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Je vous ai dit que Nakolo est le président de la République. Même dans la lettre, je n'ai pas écrit tout en détail. Nakolo Makamonyo est le président de la République pour la seconde fois. Lettre sur le président de la République, au tient un service courrier. Après le service courrier, je suis allé même voir le responsable du protocole. Il a expliqué le problème des mestres. Dans la lettre du président de la République, il faut n'amener n'a expliquer ma comment ce qu'il faut faire pour l'Est parce que naba M20 bazapuna to yebi on m'a contacté plus d'une fois bon dans une ganalo ba comment sur tout et il faut fouiller la quand même vérité non. Yeba on vous a contacté par qui na yebi depuis longtemps depuis l'Afrique du Sud il fallait bisopeto na ko taper dans mouvement il y a M23 qui m'a contacté boy na yeba de terre non j'ai donné ça aux autorités na ko ba sur les réseaux sociaux c'est parce que une lettre quand vous écrivez au chef de l'État na ko les lettres ouvertes était na ba sur les médias vous comprenez mais
Je connais bien l'histoire de l'Est et je connais bien, j'ai même des pistes de solutions, ce qu'il faut faire pour que cette guerre en Est. Vous comprenez? Quel que soit appui à Bangui, aux États-Unis, à France, à Nîmes, tout coco aussi sa guerre. Tout coco aussi sa guerre. Mais pourquoi autant d'Akimabo côté na Oezali Joseph Kabila à son époque? Parce que YP, les problèmes, moi, les a perdurent quand même, c'est depuis longtemps. Non, moi, les a scénarios na Bangui. Joseph a coupé sa M23, tu as plus haut pour ça, tu qu'on a été. Il ne peut pas se battre contre les Tutsis rwandais. Quoi, ça va se scénario, on doit ça, la caca va salir, ben, par exemple, ici, va se servir ça, il y a renseignement, il y a un militaire rebelle, il y a FARDC pour nous fragiliser davantage. Je ne sais pas si on peut trouver des solutions. Scénario, mais à un certain moment, Toyoka qui est sous M23, ils allaient qui sont Bachassa qui Bango. Avec quel accord? Avec quel accord? Bachassa qui Bango, ils Bango, ils sont Bozonga, Bazongi. Vous comprenez? Avec quel accord? L'accord, c'était que les 40%. 35% à Sud Kivu, 40% à Nord Kivu, ils allaient gérer par service de sécurité, armée, il y a le Rwandais, il y a M23. C'était ça les accords que Joseph avait fait avec les M23. Quand le président les a appelés ici, pour Basolo, là, on va insister sur le président de la République, non, voilà, va respecter l'accord, va signer Joseph. Vous comprenez? Donc, Bango a 35% armée, service de sécurité, 40% à Nord Kivu. Donc, ça veut dire que le pays est comme sous tutelle du Rwanda. Mais ça ne va pas, ça n'est trop. Mais on le bénéfice c'était pour Nani Nozara qui n'a tenu dans le Goma Kuna. C'est ce que je vous dis. L'esclave, quand l'esclave aux autres s'est révolté, donc il ne faut pas commencer à s'appeler. C'est quoi l'autre a dit, Che Guevara a dit, quand vous n'avez pas l'esprit de se lamenter, de vous rebeller, cessez de vous lamenter. Vous comprenez? Donc toute personne qui est épris de paix, toute personne qui veut défendre les intérêts du Congo peut prendre une arme et défendre les intérêts du Congo. Ouais. C'est ça, c'est pourquoi la présence. Moi, j'avais dit pour le Congo, s'il le faut, je peux défendre les intérêts du Congo. S'il le faut, sacrifice suprême, je suis prêt. C'est pourquoi Nazo Sengake, soit il a qu'à cette fois-ci, il a qu'à la STT. Ah ouais, de tous les autres, dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent, soit il a qu'à la STT. Cela veut dire que le président Aboy, ou soit, va intercaler, il a qu'à la présidente, il a expliqué ce qu'il faut, parce que moi, je dois aller à l'Est. Pour défendre mon pays. Donc, ce qui est la solution, nous sommes pour moi qui n'a l'être en haut, une solution à l'immédiat. Nous avons des solutions. Non, ça ne veut pas, ça ne peut pas venir instantanément. D'accord. C'est une guerre. Mais qu'on soit battant et bélier, je connais Batouni, il faut tous voir en gros, toqué, qu'on a tout bondi, peut tout le monde. On peut même marcher sur Kigali. Je vous dis vrai. Mais comment se fait-il que Bama et Maïbassali, plus de 20 ans, c'est pas si bien de loger Bango? Les Nyerere, les Ilunga, les Mouchombe, les Yakutumba, vous savez combien d'années dans Zamba, dans la résistance dans Sud Kivu, jusqu'à désarmer Bangote, à Sil Sabangote. Cela veut dire que ceux qui ont une motivation, hein, une logistique, au faire des Sazanango, on peut marcher sur Kigali. Vous comprenez? En fait, je ne veux pas tout dévoiler. Mais Bama et Maya, en gros, cette fois-ci, on ne les entend pas. Donc, silence. Mais quand on parle de Wazalé, les Maya Maya, juste une terminologie qui a changé. Okay. Et puis là, on parle plus du Nord Kivu, mais sauf qu'il y a Sud Kivu. Il y a des résistants, plus que même des Wazalé. Alors, par rapport, on va parler directement par rapport à la manifestation jeune ou Yotomonaki et Salami pendant un moment à Awa. Est-ce que l'impact est que vous avez dans les jours à venir? Impact des alliés. Impact des alliés. Vous avez un carabouillé après tout ce qui est. Au moment des manifestations, nous sommes sur le cas de brûler par exemple un drapeau des USA. Même le président américain est informé. La CIA, FBI, Sénat, tout, va être informé le même jour. À la minute, il y a des gens qui disent voilà, il y a une manifestation contre nous là-bas. Donc, ils ont un impact. C'est pourquoi, au moment là, les lois ont condamné Rwanda. Manifestation, ça a mis 2-3 jours, ils ont condamné Sikonini, Rwanda. Ils ont fait une manifestation, il y a ras-le-bol, il y a population. Mais ils font semblant, il y a expliqué, il y a condamné Rwanda. Dans l'entretemps, il y a la pression au gouvernement congolais pour négocier dans Rwanda. Vous comprenez? Donc, négocier avec le Rwanda, cela veut dire que tous les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire en Rwanda, ils sont en train de se faire en gouvernement. Mais le RDC est ouverte, la RDC est ouverte, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Non, vous savez, le président de la République lui-même a plus d'une fois refusé à négocier dans la M23. Mais Moto a lundi, Moto a soumis affaires étrangères à l'objet. Pourquoi? C'est pourquoi on a l'objet toujours qu'il y a un gouvernement. C'est pourquoi on a l'objet qui a une émission de salaire. Pourquoi moi j'ai voté pour l'UDPS?
Pourquoi j'ai voté le président Félix Tshisekedi? Pourquoi j'ai voté Augustin Kabouya? Pourquoi j'ai voté totalement l'UDPS? Parce que n'y a pas besoin de la majorité là-bas, on a parlé. Tout ça, le gouvernement, il y a l'UDPS, la projet société, il y a l'UDPS. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il y a l'âge de national, il y a la coalition avec l'Union sacrée. Il y a un programme fixe du gouvernement. Vous comprenez? Président Lobby Boye, ministre des Affaires étrangères du Makamoussous. Il n'y a pas un programme fixe du gouvernement. Vous comprenez? Il n'y a pas un projet de société fixe du gouvernement. Cela veut dire que ceux qui Bondimi, par exemple, président Andimi, négociation en Rwanda, négociation en M23. D'abord, émettre déjà et diminuer directement l'incrédibilité au président de la République. Vous comprenez? Donc, déjà, président de la République a voulu diminuer. Parce que beaucoup ça, le gouvernement de l'Union nationale. Beaucoup de dialogue. On se comprend. Donc, vous diminuez directement le président. C'est pourquoi le président veut que le gouvernement aille. Qui a sa négociation à 1,23. Soit il m'a zombie, soit tu vas te voir, tu vas te voir, tu vas te voir, pourquoi? Tu vas te voir infiltré. Alors tout ça, confiance, n'a pas tout la tête. Non, moi je ne peux pas parler de ça, je ne parle même pas de lui, je ne connais même pas ce qu'il a dit, mais ce que je sais, il n'y a aucun pays au monde, aux Amakasi, pour la diplomatie. Bah, pays fort au monde, c'est armé Zamakasi. Vous avez un bon, on a vu, comme la RDC a beaucoup d'argent. Surtout, tout bon qui se paye, sur le plan économique, tout bon qui se paye, tout bon qui se armé, on sera respecté. Mais il faut toujours nous en paix. Il faut tout bon qui se paye, on est qui veut la paix, prépare la guerre. C'est ça le problème. Qui veut la paix, prépare la guerre. Le Congo est entouré par. Ce n'est pas un mépris, mais il n'y a pas de pays, beaucoup de pays pauvres. Vous comprenez? Et tous envient quoi, les réussites du Congo. C'est pourquoi au monde, bah, Rwanda, bah, nous avons la guerre. Par procuration, parce que les Américains, les Français, bah, les Coltan, et Kendewapi, même les Qatariens, bah, signé par accord à Rwanda, tout ça, c'est quoi les richesses du Congo? Donc, j'ai parlé de la légitimité du chef de l'État. Et qu'on mette même en cause légitimité à la présidente de la République, soit c'est une négociation à M23. Vous comprenez? Donc, c'est le dernier mandat du chef de l'État. L'histoire n'a pas été comme que vont retenir nos enfants? Vous comprenez? C'est comme l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays ne s'écrit pas, voilà, Tobanakotanga va Franklin, Washington, Tobanakotanga, l'histoire à Congo et à Mbokanabiso. Qu'est-ce que le président Félix a fait? Tobanakotanga, l'histoire de l'Okuta, Tene, Batangi, Sabiso, l'histoire de Diego Kao, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Est-ce qu'il y a Diego Kao? Il faut Tobanakotanga, mort que voilà, Batubazaraka, Wana, avant que Diego Kao n'arrive, il y avait des Congolais là-bas, il y avait embouchure. Vous comprenez? Cela veut dire que, biso, il faut que je sois biso, voilà, qu'est-ce qu'a fait ce Patrice Emery Lumumba? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait? Il y a une histoire dans Mboka, il faut que je sois biso, encore. Le président a intérêt. Les négociations. Je suis pour, je suis de son avis aussi. Il n'y a pas question de négocier. Il faut que tout le monde va investir dans Congo. Ce sont des étrangers. Mais par rapport à la manifestation, ben, je ne sais pas, la zone de parce que le Peter Kazadi, Pénal Alanda qui est à l'objet été. Alors, il y a des jeunes qui ont une guerre et ça, dans le Congo, une guerre et ça, bon, dans le Kinshasa, mais ils ont des bandes dans l'Est et dans le Canada. Donc, ma manifestation, ça ne vaut même pas la peine. Est-ce que c'est le Congo? Mais il faut faire attention. Il faut que tu aies le langage d'un homme d'État, d'un homme de la rue, en fait, dans le manifestant, c'est différent. Homme d'État, homme de la rue. Oh, enfin, je voudrais dire homme d'État et un manifestant, un combattant. C'est un langage très différent. Cela veut dire que, par exemple, le chef de l'État ne veut pas dire, voilà, la population, marché, Bobengana Monisco, Bobengana Aïs. Le président ne peut pas dire ça. C'est un homme d'État. Vous comprenez? Un homme d'État attend la conséquence. Ce qu'on a coupé relation aujourd'hui avec la France, la conséquence, c'est de quoi? Hazard est responsable de presque 100 millions d'habitants, par exemple, autour de la RDC. Vous comprenez? Mais tandis qu'un opposant, et l'opposant peut dire, t'es président, le gouvernement, ça y est, comment côté? Il faut faire ceci, c'est là. C'est ça le langage d'un opposant. Mais tandis que, et population, donc ils peuvent tout casser, comme les manifestants le font. Mais le président de la République, même s'il est pour, ne veut pas dire que non, il faut tout ça là-bas. C'est pourquoi Pierre de Cazard, il a utilisé un langage d'un homme d'État que guerre dans l'Est, mais la guerre dans le Congo partout. Est les a touchés. C'est toute la République qui est touchée. Mais soyez conséquents, et le Mongo le Biwana, vous pouvez engager pour qu'il y ait le Kata aux alliés. Relation à France, tes amis ne battent pas sur toi. Mais ceux qui les laissent décider, tout qui est attaquer Rwanda, n'est-ce pas que vont venir sur toi dans la zone la bise et puis économiquement, bise on est tous allés impacter. D'abord, on n'a pas d'intérêt aujourd'hui à attaquer Rwanda. Toi, libérer d'abord le territoire national, puis c'est la libre d'abord. Vous comprenez? C'est comme ça. Alors, quand Olobi Makambo a attaqué, on a ni avait. Mais quand je dis attaquer, c'est par rapport à la libération, donc tout libérer aux alliés. C'est notre pays. Aux alliés, surtout. Il faut te libérer en go par tous les moyens possibles. Il faut te libérer en go.
tous les peuples congolais, il faut bazala, se préparer pour la guerre, pour libérer les pays d'Abisso. Mais ceux qui, par exemple, ont coupé ma relation diplomatique, ce sont des pressions. Et ça s'est fait. Vous ne pouvez pas comprendre les lois. On a applaudi ici l'organisation de l'organisation du jeu de la francophonie. Gaz, c'est plus là qui était. Comment se fait-il que secrétaire général, il y a francophonie, une Tutsi rwandaise, d'un pays qui n'est plus francophone. Vous comprenez? Rwanda, les lois, c'est un pays francophone, c'est anglophone. Mais tu es dirigé par une Tutsi rwandaise, Louise, qui est une rwandaise Tutsi anglophone, mais elles ont dirigé francophonie. Mais nous nous mettons à défendre quoi, la langue française. Pourquoi? C'est une rwandaise. Mais nous, pour nous faire respecter. Le deuxième pays francophone au monde, après la France, il fait tout le monde francophone. Ça sert à quoi? Mais beaucoup de Congolais ont applaudi l'idée de la francophonie. Moi, c'est ça, c'est peut-être. Mais les mêmes libis sont ouvertes, mais quand même moins belles. Yannine, il t'a gagné le côté pendant que la France soutient le Rwanda. Pendant que la France soutient le Rwanda, pays anglophone. Mais biso bazou c'est biso tel le pays francophone. Tous les fans de français nanine la France mon là-bas, il y a biso pété. Vous comprenez? Ce sont des pressions que nous devons faire pour que les Français comprennent. Mais si le Rwanda ça la pression contre les États-Unis, il faut savoir se faire respecter. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre il y a où ils allient bilan positif il y a chef de l'État? C'est leur point de vue. Moi, je dis que ça n'a rien apporté à payer Nabisso. Tout gagner de l'autre côté pendant que la France soutient le Rwanda. Qu'est-ce que nous perdons? Nos frères meurent là-bas matin, midi et soir. Vous comprenez? Mais moi, à mon avis, il fallait que tout l'on va contre la francophonie. Parce que tout le gagner de l'autre côté, le français, ce n'est pas notre langue. Nous pouvons être pays bilingue. Tout côté à Pébalang, la vie se paie jusqu'au niveau de l'université. Ça s'est fait même en Tanzanie, mais vous avez ce temps. Non, hein? C'est que oui. Mais c'est ça le programme d'un gouvernement. Le programme du gouvernement doit s'étendre jusqu'au délai de sa mandature. Gouverner, c'est prévoir. Tous les opères et même culture, la vie se nuance. Parce que tu es négligent. Car la vie se demande au Tangana. Moi, j'ai étudié à l'école à l'Est, hein. Premier, primaire, jusqu'à troisième, tout le temps à la Swahili. Aujourd'hui, tu vas dire ça, grammaire Swahili, c'est ça. So tangi sa tabana na Lingala na Congo na Kinshasa oyo alo ba proprement Lingala akolo ba Lingala ba yango. Vous comprenez? Donc nous perdons même notre culture, nous sommes perdants parce que toujours la naka n'est pas mindé, les français c'est pas notre langue. D'accord. Ouais. Alors par rapport il y a MONUSCO na SADC, est-ce que bazana raison il y a combiné ba opération conjointe Jean-Pierre Bemba a salué les lobby en tout cas ba jeunes boutiques à MONUSCO. Faut quand même dire hein, les dames ont marché aujourd'hui, marchent d'ailleurs aujourd'hui, mm-hmm. Ça les manifestations moro na Goma pour protester carrément vous allez Konika. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin il y a MONUSCO, nous avons vraiment besoin il y a SADC. Ça fait combien d'années MONUSCO a ça en Boka na Biso? Ça fait combien d'années MONUSCO a ça la plus longtemps? Bah oui, bah, ça la travail remarquable. Et l'autre mon côté, ça fait combien d'années? Je vous dis c'est 1 milliard, si je ne m'abuse, 1 milliard, 500 millions comme ça, là, dépensé à MONUSCO. Vous comprenez? Basa est là, comme mon côté, pendant plus de 20 ans, si je ne m'abuse, Basa est à Congo. Moussa, là, mon côté, Basa est à Congo. Basa, il faut défendre, Basa est à Kakete. Parce que Basa défendre Nini. Chaque jour, mouvement rebelle est à côté. Basa qui est à Basa qui est à Saki, Basa qui est à Sud Kif, dans Nord Kif. Mouvement rebelle est à Nini. Basa est à Kakete. Basa est à Moussa, là, mon côté. Vous comprenez? Sauf que c'est une manifestation contre MONUSCO, contre EAC. Ils ont raison. Ils doivent partir. Mais ça, là, il y a l'homme qui est en train de Mais ils doivent partir. Ils sont politiques. Écoutez, Bakanga, Banane, est responsable à MONUSCO. Naba Koltan. Autant de Joseph. Bakanga, Bango. Ami, ici, qu'on appelle Tango Fort. Bakanga et Joseph Alongole, MONUSCO, tu es accusé à Kaye, que voilà, Azagin, Azak, de connivence, nanana, M23, à l'époque. Joseph Azongsi, à Kinshasa. Après, Bazongsi, ils sont en fonction. Vous comprenez? Cela veut dire que la MONUSCO est toujours politisée là-bas. Bon, on a quand même un coltan. C'est pas ça comme ça à mon côté. Donc, ça va être une manifestation contre la MONUSCO. Je suis d'accord. Il faut pas qu'il y ait des. Ça va être mon côté. Sadek, il faut qu'il y ait. La présidente tanzanienne, le président de la Tanzanie, le Vakini, va le dire. Toko, toi, il y a un Congo, la mission à Sadek. La mission à Sadek, il y a un peu à attaquer. Il faut faciliter le dialogue. Donc, ça n'est qu'à y aller pour faciliter le dialogue. Dialogue. A force d'interposition. A tiens, pour nous va faciliter le dialogue dans M23. C'est tout. Interruption à Congo, c'est ça. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que. J'aimerais vraiment s'adresser à la jeune pour tout comprendre l'histoire où on a vu M23. On a plutôt saisir un mot. Tout est important si un mot cannabis. Comment est-ce que vous défendez un mot?
comment est-ce que vous nous vraiment vous valorisez même en sur tous les plans? Qu'on défende un peu en abysso, c'est question de. Par exemple, pour ma culture. Vous comprenez, hein? Tout ça plus, biso, to cola ming. Na histoire, un père, c'était quoi? C'était la jouissance. Vous comprenez? Tout ça prête pour la Kubunda. Mais, vous comprenez? Voilà, depuis le MPR, c'était la jouissance. Jeune, il faut t'amener à Mercedes, c'est mon voyage propre. Même si ça n'a pas côté. Comment on a même battu M. Zotan là-bas, là-bas, Pietre, un jour, on a étudié à l'époque, vous comprenez? C'est quoi, comment on a le lot, c'est quoi, ok, jeune, il y a Est, va comprendre le lot, quoi. Non, si tu perds ma belle, nous perdons tout. Il faut te défendre ma belle, Nabisson. Vous comprenez? Parce que ceux qui, ma belle, ceux qui sont équipés, c'est fini, vous devenez errant. M. Zotan, ma belle, mon copamba, la RDC. Ni un de ceux-là, quand ça ne marche pas au Congo, il est en Zambie. Ça ne marche pas au Congo, il est au Rwanda. Mais biso c'est quoi? C'est pourquoi les Ouazalènes se disent que nous devons défendre nos terres. Il faut les encourager, ces jeunes-là. Il faut les encourager. S'ils demandent des armes, il faut leur donner des armes. C'est leur territoire, ils doivent les défendre. La défense est un droit naturel. C'est pourquoi le binon était aux Aïnaës. Oui, moi je suis prêt, même à mourir pour mon pays. Vous comprenez? C'est comme ça que vont retenir nos enfants. Pourquoi Emery Patrice est mort? Il a dit que vont retenir nos enfants. Hein? Il faut histoire parce que tu défends pour l'avenir de notre progéniture. Si on ne fait rien pour notre pays, ben on va continuer à souffrir comme Bissot, comme nos parents nous ont sacrifié, Bissot peut nous sacrifier, ben Bissot si on se sauve de bon matin. Au cause avant bon hôtel na ba banque na yo si bon et belo tiki ba richesse et belo à moi na yo. So bon bongi si sécurité à payer na binoté. So bon bongi si économie à payer na binoté. Ben va vous aller errant, va vous on à payer na Bissot sécurité exacte. Donc tous à la souffrance. Alors, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Êtes-vous aujourd'hui satisfait au Mona Ndeko Augustin Kabuya à combien de formateurs? Parce que oui, au vote qui qu'on a eu. Oh, na c'est pas là que ma casse, c'est parce que vous votez mon toazuité. Et ça l'a bien été. Vous avez compris, dans le bac qui m'engaye, je n'étais même pas prêt à voter pour l'UDPS, moi. Je n'étais même pas prêt à voter pour Félix Tshisekedi. Vous avez compris, vu le bilan de l'Union sacrée ici. Vous avez prêt à voter. Mais vous sentez que c'est le Kamamabele. Vous comprenez? Il y avait un président congolais, il y avait aussi des étrangers qui voulaient prendre la magistrature suprême. C'est pourquoi on a dit non, les armes à Bélé, tout le monde a dit que c'était un peu bête. Moi, je vote pour le président Félix Tshisekedi, j'ai voté pour Augustin Kabuya. Il y a un numéro qui a été. Campagne, il y a eu des places à ça, la campagne. Il y a eu qui pété. Mais comme je m'étais enrôlé à ma tête, numéro à secrétaire général de Augustin Kabuya, c'est combien? On me dit 769. 769, une personne me dit non, je dois vérifier. Maintenant, sur les deux, trois, quatre personnes, on a besoin numéro 769, de vérifier dans Google, ah, Augustin Kabuya est candidat. C'est comme ça que j'ai voté pour lui de presse. Dans CPL, parce qu'il est aussi un formateur, je vais à ce que, dans le mandat, le président de la République a besoin vraiment besoin de confiance pour l'émergence du Congo. Pour partager le point de vue, il y a Francis Kalomba, ce qui peut m'aimer Augustin Kabuya comme il est. Non, va flatter, qu'on en a battu en la terre, va flatter. Bango va battu ensemble, va flatter. Azolukande va salaire gouvernement de l'Union nationale, va bien faire opposant, comme ça, Bango fait va côté. Bango, tu vas peuple rejeté. Peuple rejeté qui Bango. Peuple rejeté de faux Congolais, va Congolais à banane, va demi Dakar, va Congolais à banane, y a nationalité douteuse. Bango, tout va sanctionner. Na partie à Moïse Katumbi. Bango tu vas sanga na kuna. Oh. Oui, la vérité c'est quoi? Caméra mais on peut bien après imaginer pour peuple pas peuple ayo ka pesa ka bien. Sam. Benja balo ba vérité. Oyebi na vandi na Afrique du Sud l'air Joseph Atindi na sali émission la Kitenge. Hein? Après, qui t'a dit, vous filmez le canal téléphone. Vous me dites, non, non, ne laisse pas, ne faites pas passer, c'est juste parler au chef de l'État. Mais si quoi, le lendemain, Francine, qui t'a dit, non, est-ce que Joseph Azot, tu n'as pas tout négocié, tu n'as pas tout négocié, Francine Calon. Moi, je ne connais pas Francine Calon. Je ne le connais pas. Les annales. Ote, Azam, tu as appelé Joseph, mais Azam, tu as ouvert musique, trop proche de Jibin, piano. Est-ce que vous faites cela, c'est la politique? Je ne sais pas si tu as dit, ma camarade, la tique dans le vieux qui se dit qu'il y a bien qui se couvre dans le monde pour des mois. Pour y arriver avec ma camarade, il y a des mois. Vieux désir. Même si il y a un Francis Kalombo, je vais faire un autre négocier. Faites attention. Faites attention, mouton, à sa parole rwandais.
Il est même né au Rwanda. Moi, je ne le connais pas. Aïbi Sangaboy, j'ai des images que j'ai cité à la télé, mais dis non. Faites attention, tu as la Fancy Galombo. On me dit à Amino Libanda, Boy, Rokola, Nani Bizimakara. Mais je vous dis vrai. Fancy Galombo serait né au Rwanda. Oui, bien, côté. Fancy Galombo serait un parent rwandais. Mais des images, on va expliquer. Mais on me dit que ce type-là a un parent rwandais. Vous savez qu'on pose une question. Non, monsieur, tout ça va, mais c'est plus d'un, c'est vous avez la bonne. Vous comprenez? N'a pas expliqué le logo Moko. Peuple, tout ça, le quatrième cycle électoral. Le quatrième cycle électoral, au Tokuminango, peuple a sa fongole miso. Même si il y a une élection à pouvoir d'occupation, peuple fongole miso, tous les faux Congolais, Bademi Dakar, les Congolais, la solité douteuse, tous les voyous, vous comprenez? Peuple censure qui bango. Oh, bakata y'a une élection. Bakata y'a une autre. Peuple a fongou déjà miso. Moi, j'ai suivi à France Calomba, je se plaindre. Oh, voilà, bakata y'a une élection. Bakata y'a une autre. Vous comprenez? Peuple n'est censuré, bango. Faut parler même après ça, bah, voyou, t'es. Vous comprenez? N'a la sala, émission, dernièrement, la journaliste, c'est beaucoup France Calomba. Azoïb Sangalobi, oh, meeting à France, premier meeting à France Calomba, bah, tu baya qui est belé. Le bah, voyou, ne baya qui est belé, bah, maître, n'est-ce pas, Tim, vous avez quitté? Ba mette ba zaki bele wana ba etufe fatiwa ba zo senga fatika lomo ba mbongo wana bitinge zaki biente po na nini po na fse comment se fait-il que muto sala campagne ba voyinde ba kuya bele ba mette ba kutona ba vi pala ali ezo de pan na ndenge muto ayi bana na mili o ayi bana ki ezo zo comprendre est-ce que za faute ya Felix za faute peuple de dieu moko oyeba na mili moko mabe oyeba ni me na mabe siko kanisi ko kanisi ba mette ona ba zaki la tana carte d'arôle ba za tana carte d'arôle ba te c'était pas des électeurs. Après, on va continuer. Vous comprenez? Peuple congolais n'est pas à Fongo Limiso. Il y a encore à censurer, il y a encore des faux congolais. Tu as la partie de Bango Kuna. Ensemble. Baton d'Akuna, Olivier Kamitat. Azameti, n'est-ce pas? Mais il a des parents noirs. Papa, c'est qui le vieux Kamitat Massa? Noir, le Kolanga. Bamouis Katoubi Chapwe. Joseph Hippolyte Kanambe. Bango, il y a encore des parents noirs. Bah, congolais, c'est douteux. Joseph, tu as la. Bah, ça toujours ensemble, bah, ça opposant. Joseph, n'est pas la bango nyon soana. C'est pourquoi, aux hommes, la Francisca, la côté la Joseph Tilelo. Imagine-toi, Francisca Moutaya, Joseph a tenu tout négocier, a comme qu'on contredit l'audiovisuel. Autre salaire. Oh, tinga batinanga kunate. Nasa, nani, nazolanda émission, et moko bazoro. Oh, est-ce que Moutende va copier, mbongoana? Vous savez, un problème d'éducation aussi. Là, vous répétez, bah, moi, nous, surtout, bah, moi, bah, un problème d'éducation aussi. Ça compte aussi. Et puis, bon, je n'ai pas répété tous les mots qu'il a dit, hein, des insanités. Mais j'ai seulement retenu dans le vie, ah, mouton vraiment. Au Dieu, nous autres, on te dit, Rango. Je me suis souvenu que dans l'émission, Moko Boye, bon, en fait, mouton, on est à Pijak, qui fait un calombo, on a téléphone. Bah, on se l'a dit, fait un calombo à l'oubli. Oui, aussi, on a un ami, opposant politicien de ma défaite. Politicien ni maka défaite. Vous comprenez? Koutou, il fallait ne pas changer ni ma communicateur et dépêche ma capacité. Le type lui dit, il faut pas vous attendre à Lambert Mende. Parce que l'on dit, non, Lambert Mende, koutou, le peuple l'a déjà vomi. Il fallait le moutouloko langa. Il faut les avoir moutouloko la yé. Donc, il y a ça qui prie à la communicateur à Félix. Vous comprenez? Mais ce qui m'avait fait. Quitter... Ensemble, et l'autre, quand vous savez qu'il y a l'idée à l'objet, il n'est pas déjà vomi même. La mère même des populations qui nous va surnommer Tchakouna National. Hier, Francis Galombo se faisait lui-même appeler le fou du roi. Mais quelle différence y a-t-il entre Mende et Francis Galombo? Est-ce que vous comprenez? Vous avez que les bazar chef de la PPRD, François Galombo qui me convient sur la éducation. Bah Joseph Bakumba docteur sur la relation internationale. Bah Moïse Katoumbi Chapwe. Avant, ça disait sur le directeur de la relation internationale. Avant, mais il y a États-Unis cours par correspondance. Bah Moïse Katoumbi. Bah comme autant de Bakumba gouverneur. Parce que bah autant de quand c'est peuple à terre qui va voter. Hein? Mais bah vous allez importer qui va continuer à parler. Mais non. Bande d'union sur Wana et bah fausseur Wana. Peuple à s'entendre qui va voter. Mais Bobby Pérez, Félix, non. Écoute, Nazana cousin Nanga, hein, Azana ensemble, n'a évité qu'on ait un ensemble la République. N'a évité qu'on ait un Azana professeur d'université, à trois universités à Kinshasa, à mon cousin propre, Azana ensemble. Nana Tanganyika, les députés les mieux élus de Tanganyika.
avant d'aller courir cette campagne naie à sali azui ba peve nyonso azui na kuzo ba peve nyonso pona la kamoke ba vota kinga et comme il a 70% na ba arbi ah c'est une idée 30% ticali est-ce que ba ko banga isu ba vona azui na kinsha sai vanda ah les signes au proclamer ba résultat plus de 80% pour lui-même pour le bakata qui était azam tu ensemble le bakata qui était poigné mais c'est normal ça le gibia il était élu. Il est aimé par la population. Puis il est congolais de père et de mère. Il est connu, son père a fait beaucoup d'œuvres dans la circonscription électorale. Il y a un hôpital, il y a un œuvre belle. Mais tu as pu penser à un œuvre belle. Non, tu as pu penser à un œuvre belle. Il y a un hôpital. Il a amené beaucoup de gens au chômage au Katanga. Les babomi SMCC a mis à quoi matata ndeba Eva sala kiwana. Et puis premier vote wana ezeka promana te premier vote zaki ni le de kamama bele. D'accord. Vous comprenez. Donc suki sana kimutuna oyo. Pardon, oui mais que je peux paraphraser, je m'excuse, je peux paraphraser vous dire qu'il fasse comme avec comme français. Ah. Bonobo bisu. Oui mais que na mtu sala zo kosa. Et c'est tu as ça réseau. Tu as un réseau qui a fait des preuves. Tu as un réseau. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien. Ma guerre, mon souverain, tu as le cas, tu as le cas, il va se créer dans le cas. Si tu as le cas, comme tu as le journaliste, tu as une question à boy. Tu as le cas, 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 on a assez un boulot au poli, mais ça n'a pas été. On se connaît dans le temps. C'est ça l'idée, s'il. Et lui, voilà, va boire. Ça veut dire que, on va se mettre à lier avec Missy Mbatu, à ton dit. Au collier à Foufou Mounen, n'a pas noué belé, au ton dit. Après, si on sent que Batia Missounia, Mbombewana, Batumaki, moi, Baba, Tabawana, bon, n'a pas que ça, moi, n'a pas que ça, on a dit, on a dit, on a comprendre. Neva, Francis, alors, Bakanisa, qui est, Bakoui, Barish. Pour moi, si moi, 100 000 $, 200 000 $, ou attends aussi 1 million. Pourquoi me rejeter? Les gens qui ont fait un pari, ils ont fait 21 000 $. Donc, tous les gens qui ont fait un pari, comment ils ont fait un pari? C'est pour la bango, ils sont les cibles. Mais ma vie, Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, mais pas au Congolais. Peuple a mis ça. Vous comprenez? Jean-Pierre, c'est un candidat, mais il y a un candidat pour l'année. Je ne sais pas si Jean-Pierre Bembati, je ne sais pas si candidat. Tu as la question. Tu as la question. Est-ce que vous comprenez? Hein? Double abysso. Caméra en moi. La ticket est au caméra. Il y a encore une question là-bas. Tout le ministre de la Défense va te dire. Non, j'ai pas besoin de la défense. Mon thème, quand on va guerre ici, la guerre est aussi là. Tu avances, tu recules devant les ennemis. Nous avons reculé. Vous comprenez? Tous ont reculé. Mon défense, Nicolas, si vous êtes en guerre, ce n'est pas rester dans des bureaux. Non, la guerre, ce n'est pas des papiers. Il faut aller à l'affront, il faut mobiliser ma troupe. Qu'est-ce qui manque pour toi qui es la guerre? C'est ce qu'il faut. Il faut donc, Jean-Pierre Bemba mérite qu'il défonce, qu'il fallait autre chose. Non, moi, j'ai dit que mais le président, c'est la vie du chef de l'État, il y a le ministre de la Défense. Mais le ministre de la Défense, résultat n'est toujours. C'est ça le problème, c'est ce qui est déplorable. Oui. Par recours, nous sommes tous acquis rejetés par la Cour constitutionnelle. Donc, d'après vous, est-ce que vous estimez que Kadima avait dit raison? Mais quand il avait raison, parce que la preuve est que notre WPC au cousin Nanga Zouaki, c'est le peuple qui a censuré, Batunion sur Zouaki. Vous comprenez? Le peuple a jugé bon de mettre les Congolais, les vrais Congolais, dans la place où on a.
qui a des charlatans, des voyous au Parlement. C'est fini, soit des voyous, on a des bangs, on a des bangs. On a des bangs, on a Parlement. Vautisme, on a des bangs, 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 on on parle du sérieux, même si tu es au sec. On comprend. Le peuple congolais a fait affronter le ministre déjà. On comprend. Là, on a imploré le chef de l'État, le gouvernement Kobima, à tirer l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Le peuple a faim. Le peuple en a marre de la guerre à l'Est. On comprend. Je pense que le président Félix a peine un souci. Il y a une histoire. Il y a un mandat. Autrement dit, il y a une majorité. La majorité est déjà informateur Kabouya. Cela veut dire que le président a déjà la majorité. Apona batunya kote. Oh ata ba pression te kayo batungu sa ba place mu sura kati ya union sacrée. Eh wana bi ba mana wana nani bana ni ba congolais ba faux congolais parce que le monde. Ou faux congolais ndé nini? Pas vital caméra. Mais ça vital caméra était mon sali pika mo alo na na kati ya. Tiens, c'est mon tabanda qui. Place mon compte de personne. Place union sous mon la caméra. Ton personne ramen mafia dans la carte. Je vous dis vrai. La ruse est en la carte, sauf que vous avez la carte de New Sacre, vous avez le plafond de New Sacre, vous pouvez consolider la majorité. C'est un langage politique, et on explique qu'il y a un homme d'État dans le langage de Bango. Vous comprenez? On explique que tout clair, vous comprenez. Vous comprenez? Donc cela veut dire que la caméra avait une majorité pour imposer la présence de la primature. Arrosoté! Mais il y a eu Félix, c'est la commission. Non, Félix a même produit. Non, c'est ça, Félix a été voté. C'était l'héritier naturel de Tien Tshisekedi de Wamulumba. C'est ce qui a fait de Félix ce qu'il est. Vous comprenez? Produit avec KT. Non. Il y a vous comprenez? Il y a encore Simba, avant que Simba, il y a Félix. Nous, tu étais Félix, le président Félix. Kamel serait en prison. Hein? D'accord. Kamel serait en prison. Il est là. Vous comprenez? Il doit être très reconnaissant avec le président Félix. Pendant ma campagne, il y en a un bon gars 100 jours. Hein? Mais c'est Tchène Kabila. Mm-hmm. Le monsieur est à la fin. Mm-hmm. Arrivez vraiment à la fin. Vous allez vous adresser à tous les jeunes, surtout. Parce que moi, je n'ai pas c'était un jeune. S'adresser à Bango, c'est un message important quand même. Je suis vraiment content. C'est comme ça, il faut manifester des approbations. C'est une autre forme de trahison, de traîtrise. Il faut que nous nous préparions à venir à Banabiso. Donc, on a aussi un cours déjà. On a aussi un cours à l'université. Toi préparer progéniture la biso fina ba toi jeune de peuple ba jeune oyo toi encourager ba jeune à est au besoin de la pays na bango vous comprenez tout bunda kaka biso to tika te le mal dans notre pays c'est que ba toi reconnaître ba valeur à ba tout ba ya ba tout oyo sali ba zone côté angote mais ça c'est changer le mon côté histoire à peine biso to ko ba mon biso moko dans les combats pour libérer notre pays dans les combats pour l'émergence du pays to les mbaté parce que atasso ko bundite atasso ko bango kufa na mazasi okufa na maladie atasso kufa na maladie to kufa na accident la mort nous attend partout to bunda la patrie la mort nous vaincrons. Très bien dit. Alors histoire un peu comme l'habitude au Congo biso moko fidèle téléspectateur de Congo Unité Télévision, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas partager, liker, n'oubliez surtout pas de vous abonner. L'émission est terminée. Au revoir.